Salut la team, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à notre masterclass. Je vous laisse entre les bonnes mains de Marlène. On va y arriver. Donc, première action. Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Marlène Gourounès, je suis scénographe et cofondatrice du studio WM Paris, qui est une agence de design spécialisée dans la scénographie de vitrines et de pop-up. On va passer une petite heure ensemble où je vais tout d'abord vous présenter mes projets, donc une sélection de mon portfolio avec une explication du parcours et comment je suis arrivée en fait à devenir scénographe. Ensuite, je vous ai préparé un petit tuto pour expliquer le développement d'une vitrine sur SketchUp, sachant que c'est un tutoriel qui s'adresse plutôt à des personnes qui connaissent le logiciel déjà, parce que voilà, je voulais pas trop m'attarder sur les choses un peu basiques du logiciel. Je voulais plutôt vous montrer comment est-ce que on peut ensemble apprendre à développer un concept depuis le croquis au SketchUp. Et puis voilà, je voulais vous montrer mes petits trucs et astuces sur le logiciel pour vous apprendre à travailler sur SketchUp un peu plus rapidement. Ensuite, on aura une partie questions-réponses si vous avez des questions sur la présentation que je suis en train de vous faire. Donc, on va démarrer tout de suite avec une présentation de mon portfolio. Et voilà. Donc, normalement, vous avez mon portfolio qui s'affiche à l'écran. Donc on va tout d'abord commencer avec mon parcours scolaire. Donc j'ai su très tôt que je voulais travailler dans le design d'espace. Déjà dès le collège en fait j'étais intéressée par le design d'espace. Je savais pas si ça allait être tout de suite architecte d'intérieur ou scénographe comme ce que je fais en ce moment, mais voilà, j'ai su très tôt que je voulais faire ça. Donc j'ai intégré un lycée qui faisait option art appliqué. Et en fait, je le conseille à toutes les personnes qui savent, voilà, dès le collège, qui veulent devenir designer, parce qu'en fait, ça m'a fait gagner pas mal de temps pour après intégrer une école de design. Normalement, après, pour intégrer une école de design, on doit faire une mise à niveau ou une à deux années de prépa. Et moi, du coup, en fait, grâce à ce bac à appliquer, j'ai pu directement intégrer donc l'école Camondo, qui est une école sur 5 ans basée à Paris, qui est une école qui propose une formation d'architecture intérieure et design produit. Donc je suis rentrée en première année quand j'avais 17 ans et je suis sortie du coup en cinquième année avec mon master. J'ai juste fait une petite, un petit échange universitaire de 4 mois à l'Université de Montréal qui était une super expérience et qui m'a notamment développé une passion pour le voyage. Je pense que j'en reparlerai un peu dans ma présentation plus tard, mais voilà, j'ai été amenée à vivre dans plusieurs villes différentes, dans plusieurs pays différents et je pense que ça a aidé à développer ma créativité. Donc ensuite, on passe dans les expériences professionnelles. Donc pendant mon master, j'ai fait donc des stages chaque année. Et ça, j'encourage vraiment chaque étudiant à avoir ses expériences professionnelles à chaque fin d'année parce que ça permet vraiment d'asseoir ce que nous, on enseigne en tant qu'enseignant. Donc voilà, ce que je n'ai pas forcément précisé au tout début, c'est que je suis aussi intervenante donc à l'école MJM en visual merchandising deuxième année. Donc j'enseigne un cours de concept et de développement de concept. Et aussi à l'école Webstart, où j'enseigne la scénographie et la muséographie au futur directeur artistique web. Donc j'enseigne du coup à ces étudiants et je les incite beaucoup à faire ces stages parce que ça permet d'asseoir toute la partie théorique que nous, on va enseigner en tant que professeur. Donc en stage, en fait, j'étais surtout intéressée par le design produit quand j'étais à l'école. Donc c'est pour ça que vous voyez, en 2010-2011, j'ai plutôt fait mes expériences professionnelles là-dedans. Mais en quatrième et cinquième année, j'ai commencé à m'intéresser au design culinaire. Et je vais vous raconter cette petite histoire parce que ça va vous faire comprendre comment j'en suis arrivée à faire du design de vitrine. Donc en quatrième année et cinquième année, je me suis intéressée au lien entre l'architecture et la pâtisserie. C'était mon sujet de mémoire de fin d'études. Et en cinquième année, j'ai donc travaillé mon sujet de diplôme qui était le lien entre le verre et le sucre. Pour ce faire, en fait, j'ai intégré en plus de mon école une formation en cours d'histoire qui était dispensée par la mairie de Paris, qui en fait enseignait comment travailler le verre. Et il fallait que je trouve l'équivalent en sucre pour pouvoir faire mon sujet de diplôme. Et je me suis dit qu'il fallait que j'intègre une pâtisserie, mais que personne n'allait me prendre en tant que designer parce que j'avais aucune expérience dans la cuisine, etc.
Et j'ai pensé en fait à la Grande Épicerie de Paris, qui est le pôle, nourriture en fait du bon marché, donc voilà où ils produisent en fait des pâtisseries, de la nourriture salée et sucrée, etc. Et j'ai pensé à la Grande Épicerie de Paris parce qu'en fait il faut savoir que dans ce magasin, les deux sous-sols en dessous de la Grande Épicerie de Paris sont des laboratoires de cuisine. Et c'est en fait les plus grands laboratoires de cuisine de tout Paris. Donc je me suis dit que moi j'allais intégrer la Grande Épicerie de Paris en tant que designer, j'allais postuler en tant que stagiaire pour le dessin des vitrines et des pop-up, mais qu'en fait j'allais en douce descendre dans les laboratoires de cuisine pour apprendre en fait le travail du sucre et rencontrer en fait les chefs pâtissiers qui sont les meilleurs ouvriers de France pour apprendre un peu plus sur ce métier. Donc j'ai intégré un stage là-bas et du coup ils m'ont permis effectivement de travailler avec ces pâtissiers. Sauf que évidemment en travaillant sur les vitrines et les pop-up, je me suis rendu compte que c'était un métier absolument passionnant. Que en fait ce qui m'a plu dans le dessin des vitrines, c'est que l'échelle des projets et surtout là on est amené à travailler très rapidement sur ce projet. Et moi en fait c'est la phase qui m'intéresse le plus en design, c'est la phase créative, donc vraiment le tout début. Et faut savoir que quand on fait un dessin de vitrine, contrairement à un dessin d'espace plus classique comme en architecture intérieure ou un dessin par exemple de restaurant, etc. En dessin de vitrine, on est sur des projets qui sont très courts. Donc on va avoir par exemple 2 semaines pour travailler un concept et des fois bah, le projet est produit 6 mois après. Donc en fait moi j'ai bien aimé en fait ce côté très rapide, ce côté où il fallait avoir beaucoup d'idées très rapidement, etc. Donc je me suis dit que c'était peut-être quelque chose que j'avais envie de pousser plus tard. À la fin de mon master, donc à la fin aussi de mon expérience au bon marché, j'ai obtenu une bourse d'études qui est une bourse européenne qui s'appelle la bourse Leonardo, qui permet aux jeunes diplômés de partir étudier et travailler dans le pays européen de leur choix, tout en étant rémunérés. Et je me suis dit que j'avais envie de partir à Londres parce que j'étais très mauvaise en anglais et que vous allez le voir plus tard dans la présentation. Quand on travaille en visual merchandising, quand on fait du dessin de vitrine et pop-up, on est amené à faire des projets qui sont à l'international et du coup, on est amené à travailler avec beaucoup d'équipes autour du monde. En fait, j'ai très peu de projets qui ont été réalisés en France, mais par contre, j'ai des projets qui ont été faits un peu partout. Donc, il fallait à tout prix que j'apprenne l'anglais. Et encore une fois, j'encourage les étudiants à pousser cette pratique de l'anglais parce que vous allez être amenés à travailler avec cette langue. Donc, après mon master, donc, je suis partie travailler pour Samuel Wilkinson, qui est un designer anglais qui dessine surtout du mobilier et des luminaires. J'ai travaillé un peu moins d'un an pour lui. Puis, en fait, je me suis rappelée de cette expérience au bon marché et je me suis dit que finalement, c'était ça qui me motivait le plus. Et j'avais envie de retrouver, en fait, ce côté très créatif et très rapide dans la création. Donc, j'ai intégré une agence pendant un peu plus de 2 ans qui s'appelait Elemental Design, où j'ai travaillé pour mes premiers clients, donc dans le domaine du luxe. Par la suite, donc après ces 3 ans passés en Angleterre, j'ai voulu voyager. Je suis partie faire un grand voyage en Amérique du Sud et j'ai notamment intégré une équipe en Équateur qui s'appelait All Hands Volunteers, qui est en fait une NGO qui en fait construisait des maisons en bambou pour les sinistrés du tremblement de terre qu'il y a eu sur la côte équatorienne en 2016, qui est un grand tremblement de terre qu'il y a eu, donc beaucoup de gens se sont retrouvés sans maison. Et en fait, le but de cette association était de créer en fait très rapidement des maisons avec les matériaux locaux. Donc j'ai eu la chance de pouvoir participer à la construction de ces maisons. C'était une expérience très gratifiante et enrichissante. Puis à mon retour à Paris, j'ai cofondé donc le studio WM Paris avec mon associé Quentin Vary, qui lui est un ancien de Burberry. Et en fait, on s'est associés tous les deux parce que moi, j'avais plus cette expérience en agence. Lui, plus une expérience vraiment interne dans une maison de luxe. Et on s'est dit que bah, voilà, on allait s'associer ensemble et prendre les points positifs des deux expériences qu'on avait pour fonder ce studio. Donc c'est un studio qui est surtout basé sur la création, donc nous on n'est pas du tout dans la production des vitrines, on va faire sous-traiter cette partie-là, on va vraiment travailler sur la création de ces vitrines, donc du premier dessin jusqu'à l'esquisse technique, et on a aussi toute une partie illustration, et d'ailleurs on fait de plus en plus appel à nous pour du design d'illustration, voilà. Ici, je vous ai rajouté une petite page plus pour vous parler des différents prix et surtout pour encourager encore une fois tous les étudiants à regarder tous les concours qui se passent en dehors de l'école, parce que en fait, c'est des super expériences pour vous, pour vous faire connaître et puis asseoir aussi votre créativité, toujours continuer, ne pas toujours travailler sur les projets qu'on vous propose à l'école, mais aussi regarder ce qui se passe ailleurs et faire travailler votre créativité avec d'autres projets. Et surtout, en fait, je vais vous parler de ce concours, donc qui s'appelait
Code 2012. Et en fait, le prix de ce concours, c'était une semaine de workshop dans le domaine de Bois-Bûcher. Donc, le domaine de Bois-Bûcher, c'est un workshop qui propose de faire une semaine avec des designers. Donc, ils ont différentes thématiques. Et voilà, donc ça permet de travailler avec plein de designers et sur une seule thématique et souvent un matériau. D'apprendre un peu plus sur ce matériau. Et là, pour le coup, c'était sur le travail du verre. Et c'est à partir de ce workshop-là que j'ai eu l'idée de mon sujet de diplôme. Donc voilà, c'est juste pour vous dire qu'avec les prix qu'on va gagner avec certains concours, ça peut nous amener, ouvrir notre créativité et nous donner d'autres idées pour les projets. Donc on débute avec les projets. Je vous ai mis donc le premier projet qui est un petit peu différent de ce que vous allez voir pour la suite, mais voilà, c'était plus pour illustrer l'expérience que j'avais eue en Équateur, donc de la construction de ces maisons. Et ce qui avait été hyper intéressant, c'est que en école d'architecture, du coup, on apprend beaucoup la partie théorique, c'est-à-dire qu'on va apprendre la coupe d'un escalier, comment est-ce que voilà, on apprend techniquement comment sont faits les volumes, mais on a très peu cet aspect pratique. Et c'est vrai que là, vous pouvez le voir avec le sourire que j'ai sur cette photo, quand on arrive à faire son premier escalier soi-même, on est assez content de tout ce qu'on a appris au préalable. Mais voilà, donc ça c'était plus juste pour vous montrer ce projet et illustrer ce que je venais de dire précédemment. Ici, c'était plus pour vous montrer un projet en design culinaire, donc notamment l'expérience que j'ai eue à la Grande Épicerie de Paris. Donc, on devait designer une collection d'œufs en chocolat, donc pour Pâques. Et ce qui était intéressant dans le design de ces objets culinaires, c'est qu'en fait, le process créatif se passe exactement comme tous les autres projets. Et on est amené à travailler avec des tas de personnes hyper passionnantes qui, du coup, vous apprennent énormément sur leur pratique. Donc ici, pour le coup, un pâtissier et un chocolatier. Et là, je vous ai montré quelques exemples en cours du projet. Donc, on passe toujours par une phase de dessin. Moi, j'encourage énormément mes élèves à dessiner. Ils se reconnaîtront d'ailleurs parce qu'en cours, à chaque fois, j'insiste sur cette notion du dessin. Pour moi, c'est la base du métier de designer, il faut savoir dessiner. On passe toujours par ce moment où on va dessiner quelque chose, puis va venir en fait la phase 3D pour développer techniquement l'objet et savoir en fait comment il va fonctionner en volume. Ici, dans ce projet précis, on a dû développer des moules en aluminium, puis faire des thermoformages en plastique pour ensuite coller le chocolat à l'intérieur. Donc voilà, il y avait une centaine de chocolats qui étaient produits au final et c'était un projet assez intéressant. Maintenant, je vais passer à la phase de présentation de projet de ce que je fais plus au quotidien, donc ce qu'on fait dans notre studio avec Quentin. Donc là, principalement, le dessin de vitrine. Moi, ce qui me plaît dans le dessin de vitrine, c'est que pour moi, c'est une sorte d'ouverture, de création offerte à tout le monde dans la rue. Moi, je le vois un tout petit peu comme des projets de street art parce que c'est le seul endroit dans un magasin où on ne demande pas aux personnes de payer. C'est-à-dire qu'ils sont dans la rue, ils vont voir nos vitrines. Peut-être que ça va les faire sourire, peut-être que ça va leur faire penser à quelque chose, peut-être que ça va les inspirer. Et ce qui est génial en vitrine, c'est qu'on peut travailler avec tous les matériaux différents, on peut travailler avec de la lumière, voilà, pour moi c'est un objet qui est super passionnant et on peut absolument tout se permettre avec la vitrine, contrairement avec l'espace où on va avoir beaucoup de contraintes liées aux personnes qui vont déambuler dans l'espace, où on va avoir des choses à faire, à faire attention à la sécurité des personnes, tandis qu'en vitrine on va vraiment être sur un décor qu'on va observer et qui, on l'espère au final, va donner le sourire aux gens. Donc ici, un premier exemple de vitrines qui ont été développées à Abu Dhabi. Donc c'était pour le lancement d'un grand magasin de la marque Chaloub. Donc c'est un grand groupe qui s'appelle le Chaloub. Et en fait, ils avaient des architectes qui avaient dessiné ce magasin et qui s'étaient inspirés du dessin des jardins à la française pour faire le plan de leur magasin. Et nous, ils nous ont demandé de dessiner les vitrines qui allaient être pour l'ouverture du magasin. Donc l'idée, c'était de reprendre ces idées de jardin, mais d'en faire quelque chose de plus féerique, de plus marrant. Donc on a repris ces bouts de jardin comme si c'était des îles flottantes tractées par des objets imaginaires qui venaient en fait donner cette sorte de magic delivery, de cadeau qu'on pouvait retrouver à l'intérieur du magasin. Donc là, on voit différents exemples. Je vous ai fait aussi cette sélection de projets pour vous montrer différents exemples de visuels qu'on va pouvoir envoyer aux clients. Donc nous, on est amené beaucoup à travailler sur SketchUp et après à faire des rendus sur Vray. Mais on fait aussi pas mal de photomontage. Comme là, vous pouvez le voir, ça, c'est uniquement un photomontage qui a été réalisé sur Photoshop. On voit les lignes derrière qui sont juste en fait un SketchUp qu'on a fait, mais alors juste pour nous donner l'échelle et les lignes à arrière de la vitrine. Mais après, tout le photomontage a été réalisé sur Photoshop. Donc en fait, tout au long du portfolio, vous allez voir différents exemples de réalisation et différentes méthodes de rendu et de visuel.
Ici, toujours pour Chaloupe, mais pour un autre magasin, notre department store, c'est des vitrines qui ont été faites pour donc un magasin qui était fait pour les enfants. Et à l'ouverture de ce magasin, ils avaient développé une musique qui était faite avec un son de baleine. Donc c'était voilà, toute une musique développée par un musicien avec ce son de baleine. Et voilà, c'était la seule inspiration qu'ils nous avaient donnée pour le dessin de ces vitrines. Et du coup, nous est venue à l'idée de développer un orchestre de la mer basé sur cette musique. Donc en fait, à l'extérieur du magasin était diffusée cette musique. Et nous, on avait du coup nos vitrines qui étaient cet orchestre de la mer avec les animaux qui se transformaient tantôt en baleine piano, tantôt en hippocampe chef d'orchestre. Et donc là, je voulais vous montrer dans le portfolio différents croquis qu'on va faire en phase 1. Donc là, typiquement, c'est les premiers croquis qu'on va envoyer aux clients pour qu'on valide le concept ensemble. Souvent, on va avoir un petit texte pour expliquer un peu le storytelling de la vitrine. Puis, on va faire des aplats de couleurs, ce que j'appelle des illustrations abouties pour avoir des matériaux et pour qu'on comprenne un petit peu comment la vitrine va être construite et faite. Puis après, je ne vous ai pas mis ça dans le portfolio, mais on va avoir une phase un peu plus technique où on va vraiment faire les plans des vitrines pour donner techniquement les matériaux qu'on va utiliser, les dimensions, etc. Et après, tout a été produit localement par des équipes sur place. Ici encore des exemples de vitrines. Donc là, c'est pour un de nos principaux clients qui s'appelle Hermès. Et donc, on développe différentes vitrines pour eux. Ce qui est hyper intéressant quand on travaille pour ce client, c'est qu'ils sont hyper libres sur la thématique et sur les thèmes qu'ils nous donnent. Souvent, il y a un thème annuel et c'est un seul mot. Et c'est un mot qu'on va devoir utiliser pour développer nos vitrines. Et c'est les seuls qui vont vraiment nous laisser libres sur la création et vraiment nous écouter en tant que designer pour les objets et les scénographies qu'on propose. Donc ici, c'était un thème. On avait choisi de travailler sur le pan. Et on avait développé toute une série d'illustrations basées sur ce pan. À la base, c'était, comme je vous ai montré pour l'Orchestre de la mer, c'était plus pour parler du projet et leur présenter que voilà, on avait envie de travailler sur cet animal, on trouvait que c'était un animal très majestueux et que voilà, on avait dessiné une série d'illustrations pour parler de cet animal. Et en fait, ils ont tellement aimé ces illustrations qu'ils nous ont demandé de les utiliser telles quelles en vitrine. Donc voilà, vous voyez des premiers rendus. Donc là, cette fois-ci, c'est un SketchUp avec Verret pour avoir ce côté photoréaliste. Et donc, on avait nos illustrations imprimées échelle 1 sur du Dibon qu'on avait mis en strat, donc pour créer quelque chose d'un peu plus théâtral, pour avoir plus de volume dans la vitrine. Et par exemple, des petits effets comme sur les plumes, où on avait coupé au laser le Dibon sur les plumes, puis plié pour avoir en fait vraiment cet effet... Voilà, cet effet plumage autour de nos pans. Et comme Hermès aime beaucoup avoir ce côté un peu marrant, second degré avec leurs produits dans la présentation des objets qu'ils mettent en scène, ben voilà, les objets devenaient la queue des pans, donc comme on peut le voir de part et d'autre. Donc ça, c'est des vitrines qui ont été installées à Beyrouth, dans un seul magasin à Beyrouth. On avait fait une série de quatre vitrines à Beyrouth. Voilà, je vous montre quelques exemples. Ici, un autre exemple. Donc là, c'était pour Hermès Travel Retail. C'est l'exemple, en fait, que je vais développer par la suite en SketchUp, que je vais vous montrer comment, voilà, les différentes étapes de création qu'on a utilisées pour développer ce projet. Donc ici, le thème, c'était le jeu. Et nous est venue cette idée, en fait, de la réaction en chaîne. Donc c'est une réaction en chaîne qui n'est pas en mouvement. Il peut nous arriver de mettre du mouvement et des mécanismes dans les vitrines. Mais là, pour le coup, c'était une réaction en chaîne fixe. Et le client est invité à faire le cheminement lui-même dans sa tête pour voir en fait la scène qui est en train de se passer. Donc là, on a un premier exemple de vitrine avec encore une fois SketchUp et Verret sur la vitrine homme. Et là, on a l'exemple femme et art de vivre, puis les réalisations finales que vous voyez de part et d'autre. Donc c'est des vitrines qui ont été installées dans des aéroports dans 5 villes d'Europe différentes. Ensuite, là, je vous montre plutôt des projets d'espace parce qu'on dessine aussi des pop-up, à la fois permanents et temporaires, même si on fait plutôt des choses temporaires dans notre studio. Donc là aussi, c'est un de nos clients principaux qui s'appelle Piaget. Donc c'est des bijoux, des montres de luxe. Et en fait, ce qui était intéressant avec ce projet-là, c'est qu'on devait repenser en fait l'image de leur boutique. Donc ils nous avaient donné le thème « Sunny Side of Life ». Et du coup, on a développé en fait ce pop-up avec eux. Donc ça allait aussi bien au dessin de l'espace qu'au dessin même de la vitrine elle-même, qui maintenant est utilisée de manière permanente dans leur boutique. Donc voilà, ce petit côté arrondi qu'on peut voir par exemple en bas, c'est des choses qu'on a dessinées nous-mêmes. Donc là, ce que vous voyez avec la petite vidéo qui est en train de se lancer, c'est le côté storytelling
expérience client. Donc ça, c'est quelque chose qui est hyper importante aussi dans notre métier. C'est-à-dire qu'en fait, on sait que la vente des objets de luxe, de la mode, se passe de maintenant de plus en plus en ligne. Donc en fait, pourquoi les clients vont avoir envie de se déplacer dans les boutiques pour acheter en fait des produits? C'est parce qu'ils vont avoir une expérience qu'ils ne vont pas pouvoir retrouver ailleurs. Donc généralement, on va devoir penser une expérience pour qu'ils s'amusent en fait sur le site. Là, pour le coup, pour Piaget, c'était une sorte de kaléidoscope avec une petite scène pour donner ce côté un peu théâtral où les gens devaient se mettre debout en fait devant ce kaléidoscope, se prendre en photo, et il y avait un petit polaroid avec leur image qui s'affichait. Donc c'est à nous maintenant de réfléchir à plein d'expériences clients. Là, je vous en ai montré une, mais on va pouvoir aussi penser des choses qui sont plus digitales, par exemple. Ici, c'est quelque chose de plus permanent que je vais vous montrer. Donc, c'est la nouvelle identité des boutiques Issey Miyake. Donc, c'est un concours qu'on a gagné l'an dernier avec le studio. Donc, c'était en fait l'idée de revoir tous leurs boutiques parfums en France et à l'international. Donc, à chaque fois qu'on a une boutique Issey Miyake, on devait repenser à la fois le backwall que le comptoir qu'on avait devant. L'idée de ce pop-up, vous allez voir sur la petite vidéo qui est en train de se lancer, c'était d'avoir encore quelque chose qui est très ludique, festif. Donc on a encore eu cette idée un peu de cette réaction en chaîne, de ces objets voilà, qui sont mouvants à l'intérieur de la vitrine. On voulait un comptoir et des étagères qui soient permanentes, d'accord, mais qui puissent être updatées dans le temps. C'est-à-dire que vu que c'est quelque chose qui va rester au moins 5 ans dans les boutiques, que soit quelque chose qu'on puisse renouveler assez facilement. Que si par exemple il y a un nouveau parfum, une nouvelle collection qui se lance, on puisse facilement changer ces backwalls en changeant des petits modules qu'on avait destinés à l'intérieur de nos étagères. Donc là typiquement par exemple les citrons, les fleurs que vous voyez ici peuvent être prises et enlevées et renouvelées. Une nouvelle idée qu'on a eue aussi, c'est d'avoir ces grandes portes coulissantes devant les étagères où on peut y mettre un grand visuel. Et puis encore une fois, quand on change le visuel pour tout lancement produit, on a une nouvelle image du backwall et on a l'impression d'avoir encore un nouveau comptoir et un nouveau site. Donc là, vous avez quelques photos de la réalisation finale. Je vais passer vite sur ces projets aussi. Un autre client pour lequel on travaille, donc c'est Victor & Rolf, sachant que c'est la franchise parfum de Victor & Rolf, donc qui est gérée par L'Oréal. Je voulais vous montrer ces projets parce qu'ils sont assez intéressants en termes d'expérience client. Comme je vous présentais tout à l'heure avec Piaget et ce côté photomaton dans le kaléidoscope, ici, on doit penser donc une vitrine, donc c'était à Selfridges pour Noël, donc qui est un department store qui est à Londres, l'équivalent un peu des Galeries Lafayette. On devait penser une vitrine à l'entrée du magasin, puis un pop-up à l'intérieur qui était en lien avec cette vitrine. Et en fait, ce qu'ils nous ont demandé, c'était de surtout créer cette expérience client, c'est-à-dire quel scénario d'usage on allait avoir avec ce site. L'idée ici, c'était d'avoir une personne qui attendait avec un iPad et qui demandait aux clients qui passaient quel était leur vœu pour Noël. Donc leur vœu, par exemple, c'était « je rêve d'intégrer la MGM pour l'année prochaine ». Ils rentraient ça dans leur petit iPad, puis ils rentraient à l'intérieur de la forêt magique. Ils sentaient le parfum, donc là on avait l'expérience olfactive pour sentir et découvrir le parfum. Il y avait plein de petits flower bombs qui étaient projetés un petit peu comme, je ne sais pas si vous êtes déjà allé à l'atelier des lumières, donc voilà, on avait une expérience immersive projetée partout autour de nous. Puis il y avait le vœu, donc je rêve d'aller à la MGM l'année prochaine, et on ressortait de cette petite forêt, et il y avait une imprimante qui imprimait un ruban avec le nom de la marque, notre vœu marqué dessus, et on venait l'attacher autour du poignet du client qui venait visiter le site. Puis il pouvait ou pas acheter le parfum, en tout cas découvrir les différents parfums. Donc là, typiquement, c'est quelque chose qu'on va nous dire, en plus du design du site, de créer un petit scénario d'usage, étape par étape, avec des petits personnages, étape 1, espace ça, comme une bande dessinée un petit peu, étape 1, espace ça, étape 2, espace ça, etc., etc. Là, bon, toujours pour la même marque, je voulais montrer ces différents projets, plus pour vous montrer encore une fois en termes de visuel qu'on pouvait avoir différentes façons de présenter. Donc typiquement, Victor & Rolf n'aime pas du tout les rendus photoréalistes. Donc on va être plus amené à travailler sur ces croquis qui sont plus faits à la main, donc ces illustrations abouties avec matériaux, avec des effets Photoshop sur ces dessins. Là, voilà un autre exemple d'une autre année, donc qui était plus sur le thème du labyrinthe. Là, ce que je vous montre, c'est vraiment un premier croquis de concept. Encore une fois, on est basé sur aucune taille de site particulier. Là, on est d'ailleurs sur un site qui doit faire plus de 100 mètres carrés. On travaille rarement sur des espaces aussi grands. Mais voilà, on présente plus le concept. L'idée, c'est de rentrer dans ce labyrinthe, de cueillir des fleurs dans ce labyrinthe.
Ici, vous voyez, par exemple, un petit scénario d'usage, comment est-ce qu'on va déambuler dans notre site. Et voilà ce que je vous disais, étape par étape, de 1, on cueille une fleur, 2, on arrive au milieu de labyrinthe pour personnaliser sa fleur. Et là, ce que vous voyez, c'est comment est-ce qu'on avance dans le projet. Donc là, on rentre dans des visuels qui sont plus réalistes, sur des choses qui sont faites du coup avec Verray, pour montrer techniquement comment ça va fonctionner, combien de produits on va avoir, etc. Et surtout, comment est-ce qu'on va le développer en termes de taille. Parce qu'il faut savoir que nous, dans notre studio, on va souvent être à l'amont du projet. Donc au tout début, on va donner en fait la première intention du projet, puis développer un document qui s'appelle le document guideline, qui va être en fait différent, le même concept, mais développé dans différentes tailles. Donc dans un 50 mètres carrés, 20 mètres carrés, 15 mètres carrés, 10 mètres carrés, qu'est-ce qui se passe si on a juste un comptoir, qu'est-ce qui se passe si on a juste une étagère. On doit reconnaître en fait l'ambiance du concept qu'on a dessiné et que le concept se tienne en fait sur les différentes tailles. Puis ensuite, ce document, donc il va avoir toutes les références techniques, les références de matériaux, les différents fournisseurs qu'il faut appeler pour le produire. Puis il va être emmené dans les différents endroits du monde où va être produit. Donc par exemple, ici on travaille pour L'Oréal, donc on va avoir par exemple le pôle L'Oréal Asie, le pôle L'Oréal Europe, qui vont récupérer ce document et qui vont l'adapter à tous les magasins où ils vont devoir faire ce site. Mais ça ne va plus être notre partie à nous avec Quentin, nous on va vraiment être sur la première intention créative. Donc si par exemple le pôle Europe récupère notre dossier et par exemple un pop-up qui se libère aux Galeries Lafayette, ils vont prendre notre document, dire que voilà, aux Galeries Lafayette, on a un site qui fait 20 mètres carrés, les contraintes techniques sont là parce qu'on va avoir un pôle électrique ici on va avoir tel câble, ici on va pas pouvoir rentrer, donc voilà, on va avoir tel mur ici, nanana. Donc ils vont prendre notre concept et l'adapter au mur en utilisant nos références de matériaux, de mobilier, etc., adaptées aux contraintes du site. Et pour finir mon portfolio, je vous ai mis une sélection d'illustrations que l'on fait donc avec Quentin. Donc ici, c'est des illustrations plutôt réalisées à la tablette. On l'utilise beaucoup pour communiquer sur les réseaux sociaux parce qu'il faut savoir que comme on travaille pour de grandes marques, souvent, on n'a pas la possibilité de communiquer sur ces projets-là parce que ce sont des projets qui sont très confidentiels. Donc il nous faut des choses pour communiquer. Et comme on aime beaucoup le dessin, bah, on communique sur ces dessins. Ici, pour le coup, on avait travaillé pour une marque de papier peint qui s'appelle Ernest Wallpaper. Et on avait développé en fait cette petite gamme de papier peint pour enfants avec eux sur le thème du livre de Hemingway, Paris est une fête. Donc nous, on l'avait réinterprété en disant Paris est une danse. Et on a ces petits animaux qui dansent, etc. On en a fait des carnets, voilà. Et en fait, en développant cette pratique d'illustration, on a de plus en plus de projets qui viennent à nous, qui sont sur ces illustrations. Pardon. Et là, en ce moment, par exemple, on est en train de développer pour une marque un jeu de cartes, un carré de soie, voilà, un petit plateau en céramique illustré. Donc on fait aussi bien de l'espace, mais aussi bien de l'illustration maintenant. Et là, c'était quelques petits exemples de rendu 3D pour vous montrer les scénographies. Voilà. Voilà pour le portfolio. Je vous laisse retenir vos questions si vous en avez pour la fin de ce live. Maintenant, je vais passer à la partie tuto. Donc, je vais vous présenter maintenant comment développer une vitrine sur SketchUp. Donc, il faut savoir qu'on part toujours en fait d'une planche de tendance. Donc, planche de tendance, c'est une association de différentes iconographies qui vont nous faire parler du concept. Puis on va dessiner. Ça, je tiens à cette phase-là. On est des designers, encore une fois. Il est important, on a des carnets dans notre studio remplis de dessins parce que c'est la meilleure façon de poser l'idée qu'on a dans la tête sur le papier. Donc une fois qu'on a fait toute cette phase un peu de croquis et d'expérience croquis, on va travailler en volume pour développer notre idée. Donc moi, j'adore SketchUp pour ça parce que c'est un logiciel qui est très simple d'utilisation, assez précis. Même très précis. On va pouvoir ensuite, je vous montrerai sûrement à la fin du live avec layout juste rapidement pour montrer un peu techniquement les dimensions et faire des coupes de nos projets, faire des détails, des élévations, des plans, etc. Mais surtout, en fait, c'est un logiciel qui est hyper pratique, qui nous permet de tourner autour de nos objets, de tout de suite y mettre des matériaux et de tout de suite, en fait, très vite modéliser nos éléments pour qu'on comprenne, en fait, comment fonctionne notre projet. Donc là, par exemple, sur ce projet Réaction en chaîne, on avait les deux premières vitrines de dessinée. Maintenant, on va faire ensemble en fait, la vitrine femme, donc il y a encore une déclinaison de ces deux premières vitrines. Ici, vous avez une sélection sur les produits que j'avais envie d'utiliser pour cette vitrine. Donc en fait, les produits, je ne vais pas m'amuser à les redessiner sur SketchUp. Ce que je fais, c'est que je les mets en PNG sur... j'importe un PNG en fait, sur une... Sur,
sur un calque. Et ensuite, en fait, ce que je fais, hop, je vais vous montrer, c'est que je cache les lignes. En plein écran, hop, voilà. Je cache les lignes de mon carré. Donc en fait, je fais juste un carré, j'importe une image dans ce carré, et après, ce que je fais, c'est que je cache, hop, voilà, ces images. Je cache ce carré, et ça me fait une image toute seule. Donc on va dessiner cette vitrine ensemble. Donc je vais commencer par faire la boîte extérieure. Donc imaginons, donc là, je vais vous... Hop. Là, vous allez voir en bas à droite de mon écran, je vais vous enlever ça, vous allez voir les dimensions que je vais rentrer ici. Donc, encore une fois, c'est un tutoriel qui s'applique plutôt à des personnes qui connaissent le logiciel. Je ne vais pas reprendre la base de toutes les fonctionnalités. Je pense que vous trouverez ça sur YouTube, des vidéos qui sont bien mieux faites que les miennes sur le sujet. Donc là, par exemple, imaginons, j'ai une boîte. Donc, je vais faire les dimensions de ma vitrine qui fait, par exemple, 3100 par 800. Hop. Je monte ma vitrine et je vais enlever les arêtes pour avoir... Voilà, là j'ai un fond de vitrine. Je vais vous cacher ça parce que ça, c'est la réalisation finale. Je vais avoir ma vitrine. Donc là, je vais faire hop, grouper mes groupes. Il faut savoir que j'utilise beaucoup de raccourcis clavier. Je vais essayer à chaque fois que je l'ai fait de vous informer ce que je suis en train de faire. Parfois, je vais peut-être oublier, ça va peut-être aller assez vite. Mais vous pourrez revoir cette vidéo en replay pour avoir plus d'informations et pour mettre pause dans ce que je vous raconte. Donc ici, j'ai ma vitrine. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon petit logo Hermès que je vais dupliquer, hop, sur la vitrine. Comme ça, je vais avoir mon fond de vitrine tout prêt. Tac. Donc là, vous avez la base. Maintenant, ce que je veux faire, c'est développer. Donc, vous avez vu mes dessins tout à l'heure. J'ai cette idée de réaction en chaîne. Je veux un enchevêtrement, en fait, d'action qui, en fait, fasse tomber mon produit à la fin dans une piscine. Donc, je vais dessiner cette piscine d'abord. Donc, cette piscine, imaginons qu'elle soit un carré de 1300. Donc, je parle en millimètres. Hein. On travaille toujours en millimètres par 440. Tac, tac, tac. Hop, et qui fait, disons, 280 de haut. Hop, donc là, je double-clique dessus pour former un groupe. Et ce que je fais, c'est choix. Soit je fais Make Group, soit je fais Command G. Ici, quand je double-clique, je re-rentre dans mon groupe. Je choisis la face du dessus. Et quand j'appuie soit sur F, soit sur ce petit signe ici, je peux en fait créer la même forme en plus petit. Donc là, imaginons, je crée un rebord de ma piscine qui fait 80. Je clique sur cette forme et ce que je veux faire, c'est que je veux l'extruder à l'intérieur. Donc ça, j'ai plusieurs solutions. Soit j'appuie sur P comme push et voilà, j'ai ce raccourci clavier, soit je viens cliquer en haut. Moi, je choisis d'appuyer sur P et je vais faire, par exemple, hop, une piscine qui va être 50 de profondeur. Donc voilà, j'ai ma piscine et ce que je veux faire, c'est des petits carreaux dessus pour la décorer. Donc une technique très simple, c'est la technique des components. Et ça, vous allez voir, ça va vous faciliter la vie. Donc, en fait, ce que je fais d'abord, c'est que je prends cette mèche et je vais la dupliquer. Donc là, vous voyez en bas, je vais rentrer slash 7. Et ce qui va se passer, c'est que je vais en fait dupliquer ma ligne de part et d'autre de ma piscine. Et ce que je suis en train de faire, en fait, c'est le dessin des carrés qu'il va y avoir sur cette piscine. Ici, je vais faire pareil en hauteur. Je vais le multiplier par, multiplier par 3, et voilà. Donc là, j'ai des carrés. Et ce que je vais faire, c'est qu'au lieu de dessiner carré par carré et quelque chose qui va être super long, ce que je vais faire, c'est que je vais plutôt faire un dessin de carré. Donc là, par exemple, hop, il fait 5. Je vais supprimer ça. Là, j'ai mon dessin de carré, donc pomme G pour groupe, encore une fois. Si je clique droit, j'ai « Make Component ». Et cette petite action va me simplifier la vie par la suite parce qu'en fait, ça veut dire que chaque groupe que j'ai réagit. Donc, si je veux modifier par exemple ce carré, en fait, je vais modifier tous les autres. Vous voyez que là, tous les autres se mettent en bleu. Donc, ensuite, je sélectionne ces petits rectangles que je vais dupliquer. Donc, pour aller encore plus vite, hop, je les sélectionne tous et je peux même les copier par deux. Et ça, ça me fait gagner pas mal de temps par la suite, et là je finis ma piscine. Donc voilà, donc là j'ai fait des petits détails en fait de carrelage sur ma piscine. Donc là je vais tout grouper ensemble, comme ça, hop, elle est finie. Et ce que je vais faire maintenant, c'est l'échelle. Donc l'échelle, je veux une échelle qui est courbe. Comment est-ce qu'on travaille la courbe? Sur ce tutoriel, je vais beaucoup vous parler de l'outil Follow Me, qui est un outil super sympa, vous allez voir. Donc là en fait, je vais juste créer un rectangle pour me donner un peu une échelle
de l'échelle, enfin l'échelle de l'échelle que je vais créer. Donc là j'ai mon petit rectangle et en fait ce que je vais faire, c'est que je vais faire le dessin du profil de mon échelle là-dessus. Ici, quelque chose qui est hyper bon à savoir, c'est quand on dessine soit un arc de cercle, soit un cercle, donc les cercles se situent ici, je peux changer le nombre de sides, donc le nombre de côtés de mon cercle ou de ma courbe. C'est hyper important parce que vous allez voir la différence. Si par exemple ici, je fais un arc de cercle qui est comme ça, vous allez voir que ça va être hyper anguleux, les courbes que je veux faire. Donc en fait, je vais plutôt choisir d'avoir par exemple 50 côtés ici, et ça va me faire des dessins qui sont beaucoup plus lisses et beaucoup plus beaux à voir. Hop. Donc là, vous voyez, si quand ça s'affiche bleu, c'est que je suis dans un arc de cercle parfait. Je finis ma courbe avec cette petite ligne. Tac. Et là, je vais pouvoir faire le profil de mon échelle, qui va être comme ça. Je sélectionne juste, donc ça je peux supprimer, je m'en fiche. C'était juste pour pouvoir dessiner dessus. Hop, je le supprime. Et donc, je vais prendre ça. Mais aussi ça, on s'en fiche. Donc je sélectionne ma courbe et en fait, avec ce petit outil Tools Follow Me, je vais pouvoir finir. Hop. Voilà, donc là j'ai en volume en fait une part de mon échelle. Donc Command G pour groupe, et si je rappuie sur Command G, je crée un component. Parce que vu qu'il y en a deux, évidemment, je veux pouvoir les modifier tous ensemble. Donc là je vais le mettre près de ma piscine, et ce que je vais faire, c'est que quand j'appuie sur M, c'est Move, donc ça, et si j'appuie sur Alt en même temps, je duplique ma forme. Donc là, j'ai ma piscine, il ne manque plus que les barreaux pour pouvoir monter dans la piscine, évidemment. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire un cylindre sur le côté. Hop, là je pose. Donc encore une fois, je groupe et je réappuie sur Command G pour créer un component que je vais mettre en fait près de. Donc après, je peux m'amuser avec Scale. C'est ce qui est pratique en fait avec SketchUp par rapport à d'autres logiciels de 3D qui vont demander une énorme rigueur et d'avoir des choses voilà, qui sont au millimètre près. Ici, je vais pouvoir vraiment m'amuser. Pour moi, je le vois un peu, SketchUp, comme de la sculpture presque. J'ai l'impression d'avoir en fait une boule d'argile devant moi et je peux voilà, créer en live des choses. Et après, une fois que je vais passer dans la phase plus technique, là, je vous montre vraiment le développement d'une idée du dessin au SketchUp, mais une fois que je vais rentrer dans la partie plus technique, là je vais vraiment dessiner les choses au millimètre près pour être sûr que les choses rentrent et que voilà, et que les matériaux que j'ai envie d'utiliser soient aux bonnes dimensions, etc. Donc là j'ai mon échelle, hop, je la groupe et j'ai fini pour la piscine. Ce que je veux faire maintenant, c'est la petite bouée qui va être au-dessus de cette piscine. Donc ce que je vais faire, c'est mon cercle. Donc comme tout à l'heure, je vous dis, il vaut mieux avoir le plus hop, de sides possible pour pas que ce soit quelque chose de trop anguleux. Je vais faire mon cercle, donc imaginons, elle fait 240, voilà. Je vais déplacer ce cercle près de mon angle. Alors, je vous explique pourquoi, c'est parce que je vais devoir du coup créer en fait la circonférence de ce cercle. Et en fait, c'est toujours plus facile, là vous voyez, il y a des petits repères qui s'affichent avec mon cercle. Quand c'est bleu, c'est que je dessine sur le plan. Si c'est vert, je le dessine en élévation. Et c'est toujours, il arrive toujours plus à se repérer quand il y a déjà un objet qui est placé en élévation. Donc là, je dessine la circonférence. Donc imaginons, il fasse 60. Hop. Je supprime l'intérieur de mon cercle. Je sélectionne mon cercle. Et là, encore l'outil de tout à l'heure que je vous ai montré, qui ne veut pas s'afficher. Si, follow me. Hop, je sélectionne l'intérieur de mon cercle. Et là, j'ai ma bouée. Je double-clique, je le groupe. Et je vais mettre cette bouée hop, au-dessus de ma piscine. Tac, tac. Ensuite, je vais créer le petit escalier qu'il y a à côté de la piscine. Donc ça, c'est une forme qui est relativement simple, c'est des carrés. Mais ce que je vais vous montrer, c'est surtout intéressant avec cet escalier, c'est l'application de texture. Donc déjà, je le dessine 450, disons, par 100, hop. Et voilà, donc là, j'ai un carré. Comme tout à l'heure, je le sélectionne, oups. Je sélectionne, je groupe, là voilà, donc soit deux fois pomme G, soit mes components, et je crée mon carré. Et après, ce que je peux faire, c'est que je duplique, donc toujours avec ce petit signe move plus alt, et là je le monte, tout simplement. 4, 5, 6 marches par exemple. Donc là j'ai mon escalier que je vais grouper, encore une fois, mes groupes, et je vais dessiner parce qu'en fait je voulais avoir une écharpe qui était présentée dessus. Un petit foulard, un petit carré Hermès qui va juste se placer dessus. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais dessiner la forme de mon foulard, qui va être très simple, par exemple comme ça.
hop, je vais cacher. Donc, soit j'appuie là-dessus et je clique droit et je clique sur Hide, soit je fais Command E. Je sélectionne ma forme. Avec l'outil F ou ce petit outil en haut, je duplique ma forme en hauteur. Donc là, par exemple, je lui donne une épaisseur de 2 mm. Je la finis avec mon petit crayon ici et ici. Et je vais, donc si je remonte mon escalier, si je push, et voilà, je lui donne une forme. Donc là, si je recache ça, on voit mon carré qui est ici. Je vais le grouper. Et en fait, ce que je vais vous montrer, c'est qu'on peut appliquer une texture, parce qu'on se dit, mais comment est-ce que la texture va s'appliquer en fait normalement sur cette forme un peu ambiguë. En fait, je sélectionne ma forme, je vais sélectionner, donc là, c'est le carré que je veux appliquer. Donc, je l'applique comme une forme normale, standard. Hop, position. Donc là, je choisis la taille que va faire mon carré. Donc, je mets le petit point rouge là dans l'angle et je tire dessus. Hop. Donc là, la forme est appliquée. Après, je vais sélectionner l'autre forme. Je prends mon petit outil pinceau avec la pipette. Donc, la pipette est obtenue quand on appuie sur la commande en même temps. Je sélectionne déjà cette texture et en fait, je vais l'appliquer. Et vous allez voir, en fait, la texture comprend toute seule comment elle doit s'appliquer sur notre forme. Donc, ça nous fait gagner un temps fou parce que sinon, on est obligé de régler la texture au fur et à mesure. Donc là, vous voyez, en fait, j'ai déjà mon carré qui est appliqué normalement comme une texture standard. Je remonte mon escalier. Hop, je vais grouper l'ensemble. Et en fait, je crois que sur mon dessin, il était légèrement en biais. Donc, vous voyez qu'en fait, quand je suis en groupe, j'ai des petits voyants qui s'affichent là comme ça. C'est pour tourner en fait ma forme sur un axe central. Donc là, par exemple, je vais pouvoir le tourner comme ça. Voici. Qu'est-ce que je voulais vous montrer aussi rapidement? Oui, comment on développe un profil? Par exemple, dans mon design que vous voyez ici, j'ai des petites quilles. Donc, comment est-ce qu'on fait une quille? Donc, je vais avoir ma petite étagère qui va être ici. Ma quille, tac, tac, tac. Donc je vais lui donner un volume qui est comme ça. Encore une fois, je la groupe et je vais décider que ma quille, par exemple, donc déjà je vais dessiner son profil. Elle fait 270 de haut. Donc là, je dessine juste le carré pour savoir dans quoi elle tient. Je groupe cette forme. Et je vais devoir dessiner juste en fait la moitié de ma forme que je vais en fait faire tourner sur elle-même par la suite. Donc par exemple, je vais faire donc là, le haut de la quille. Donc là, je le fais un petit peu vraiment à l'arrache pour vous montrer rapidement. Donc évidemment, il me dit que vu que là, on est sur une échelle qui est plus petite, le nombre de sides que j'avais de ma courbe, du coup, doit diminuer. Ce n'est pas très grave pour cet exemple. Donc je fais une quille vraiment à vue de nez qui va être beaucoup trop grosse, mais ce n'est pas grave. Hop, je vais fermer ma forme. Et ce qui va se passer, c'est que je vais du coup dessiner un cercle en dessous pour dire que en fait, ce profil-là va devoir tourner sur lui-même, sur en fait, ce diamètre ici. Hop, hop. Donc ça, je supprime, j'en ai plus besoin. Donc vous voyez, j'ai ma forme ici, et je vais vouloir la faire tourner sur elle-même pour former ma quille. Donc je sélectionne l'axe sur lequel je veux faire tourner. Je vais supprimer ça, hop, vous voyez mieux. Donc je vais supprimer l'axe sur lequel je veux faire tourner. Encore une fois, Tools, Follow Me, je choisis ça, et j'ai une quille qui est un peu moche, mais c'est pas grave. C'est plus pour l'exemple. Encore une fois, je peux créer un component parce qu'en fait, je veux trois quilles. Donc voilà, ça me simplifiera la vie au moment où je veux appliquer les matériaux, par exemple. Hop. Et 2/. Tac. Là, par exemple, mon étagère est un peu petite. Je vais lui rajouter un peu de taille. Donc vous voyez, là, comme je suis dans une phase de concept, je ne suis pas du tout en train de travailler au millimètre près, en train de me dire, ah tiens, c'est une planche qui sera plutôt en MDF de 5 mm de haut. Donc voilà. Là, je suis vraiment en train d'utiliser ce logiciel comme si j'étais en train de faire une création en pâte à modeler devant moi, en fait. Je l'utilise, là, je peux le déplacer facilement, je peux prendre avec l'outil scale, je peux la zoomer, la grossir, lui changer d'échelle, etc. Si mes quilles, je les trouve trop grosses, je les sélectionne les trois, et avec l'outil échelle, hop, je les agrandis un peu, bah là, déjà, on a une forme qui est un peu plus une forme de quille. Voilà, c'est un logiciel qui est hyper pratique et hyper maniable pour être sur la phase de création. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre sur ce logiciel? Oui, je vais vous montrer comment on fait une sphère, parce que j'avais une aiguille qui allait rentrer en fait dans cette petite bouée gonflable et qui allait en fait crever cette bouée pour que l'objet tombe dans la piscine. C'était l'objet de ma vitrine et le concept de la vitrine. Donc comment on fait une sphère sur SketchUp? On va faire donc une première taille, donc par exemple là elle fait 28. Je sélectionne ma forme et je la groupe. Ça, je vais cacher.
Ça, ce que je vais faire, c'est que je vais, donc avec l'outil Move, dupliquer cette forme. Alt, je la duplique. Ici, avec mes petits voyants rouges, je tourne la forme à 90 degrés. Hop, j'explose mes deux formes. Je me sers de cette forme pour faire encore comme tout à l'heure, en fait, avec la quille, le repère sur lequel cet objet va tourner sur lui-même. Donc, je le sélectionne. Hop, Tools, Follow Me. Je choisis ça et voilà, moi j'ai ma sphère. Donc là, on a le bout de mon aiguille. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais la grouper. Mes groupes. Tac. Je vais choisir la longueur que va faire mon aiguille. Donc là, j'avais décidé par exemple 410. Ici, je peux faire la largeur. Enfin, en tout cas, ouais, la largeur de mon aiguille, on va dire. Oups. Qui va faire par exemple 5. C'est assez fin, une aiguille. Et je vais la pousser à l'intérieur. Ce qu'il y a, c'est qu'ici, hop, je groupe. Donc j'ai mon aiguille, mais qui ressemble plutôt là pour l'instant à un bâton. Donc pour avoir ce côté pointu, c'est tout simple. Je prends l'outil Scale, donc ici, ou alors S sur le clavier, je clique dessus. Ici, quand j'appuie sur Alt en même temps, je peux... En fait, si j'appuie pas sur Alt, je vais la grossir et l'élargir comme ça. Si j'appuie sur Alt, ça va se retrouver au centre. Pouit. Et donc là, vous allez voir que j'ai quelque chose qui est pointu. Donc d'un coup, là, j'ai une aiguille. J'espère qu'on la voit bien, parce qu'on est sur blanc, voilà. Quand on a un fond rose, c'est mieux. Là, j'ai une aiguille qui est pointue. Donc évidemment, c'est une aiguille dessinée, rêvée, qui n'existe pas du tout dans la vraie vie. Mais c'est l'avantage de la vitrine, c'est qu'on dessine des choses qui n'existent pas. Donc voilà pour mon aiguille. Est-ce que j'ai encore un peu le temps pour vous montrer... je vais vous montrer comment est-ce qu'on fait le tube et le fil, en fait, qui va tenir cette aiguille, puis le sac. Et après, je vous expliquerai rapidement sur layout, les avantages de layout. Donc ici, j'ai un tube qui fait 40... qui va faire 520 de long. Donc ça, c'est la partie qui va permettre de tenir cette aiguille et tenir le sac qui va être en balance que vous voyez ici. Là, je suis en train de dessiner cet élément-là, là, en fait, qui est attaché au fond de la vitrine pour avoir le sac suspendu d'un côté. L'idée étant que les objets dégringolent, poussent la boule de bowling, font tomber les quilles, puis le sac et puis crèvent le ballon. Le chapeau tombe à la fin dans la piscine. C'est l'idée de ma réaction en chaîne. Donc ici, je suis en train de dessiner l'élément qui va permettre de tenir. Donc là, j'appuie sur F. Hop. Ici, je trace un trait et je peux supprimer ces deux parties ici. Puis, le pousser en volume. Si je sélectionne l'ensemble, je peux le grouper. Donc là, j'ai le petit élément qui va tenir mon objet. Et comme je veux pas, enfin là on est sur SketchUp, donc c'est facile, tout tient en l'air, mais dans la vraie vie, ils seront attachés vraiment sur le mur du fond, tout tomberait sinon, donc on va faire quand même le petit élément qui va permettre de tenir l'ensemble au back panel. Donc là, tac, en fait je dessine simplement un tube. Une fois que mon construct sera validé par mon client, je pourrai aller plus dans le détail et faire les recherches sur internet sur quelle tige on va utiliser, quelle taille elles font dans la vraie vie et comment je vais véritablement les fixer dans mon panneau de fond. Mais là pour l'instant je suis vraiment sur une phase de dessin. Donc voilà, donc on sait que cet élément, si on crée un component, je peux après le dupliquer en le déplaçant et je vais l'utiliser par exemple pour fixer ma bouée et également. Je vais l'utiliser, voilà. Comme ça, mes deux éléments, ils ne sont pas en train de voler dans les airs, quoi. Donc ici, je peux rajouter un petit détail. Donc, une petite fonctionnalité que je vais vous apprendre également, c'est quand on fait push, donc là, j'ai ce petit élément-là, je peux agrandir et rétrécir ma forme. Si j'appuie sur Alt en même temps, je peux dupliquer cette forme. C'est-à-dire que c'est la même forme qui continue, mais je vais avoir une arête supplémentaire. Donc par exemple, je peux lui donner un volume de 5. Et si je veux juste lui donner un petit congé, par exemple, ce qui va donner un peu plus de sensibilité à ma forme, avoir quelque chose qui soit plus élégant, je vais pouvoir sélectionner en double-cliquant la forme ici. Là, je reprends mon outil Scale. Si je rappuie sur Alt en même temps, tac, vous voyez, je peux changer en fait la forme. Donc là, vous voyez, on a un léger congé au bout de ma forme qui rend quelque chose, quand on regarde par rapport à ici, on a quelque chose de bien plus élégant. Donc je vais faire simplement pareil de l'autre côté pour qu'on ait un design un tout petit peu plus sympa. Hop, et voilà. Et après, si par exemple je veux qu'il soit creux, je peux simplement supprimer de part et d'autre. Oups. Voilà. Donc là, j'ai un tube qui est creux. Et si je veux faire passer, par exemple, un fil hop, de part et d'autre, ce que je vais faire, c'est que je vais le faire partir de mon aiguille. Je vais le monter. Donc là, quand on a un trait bleu, je sais que je suis dans un axe vertical. Je sais que je suis bien droite et perpendiculaire à mon plan.
je monte, hop, si je suis dans l'axe rouge, et ben voilà, je... En fait, on a des repères qui sont hyper faciles pour éviter de dessiner n'importe comment. Parce que, par exemple, contrairement à Rhino, qui a un logiciel où on va avoir les quatre vues différentes, et on va pouvoir travailler en plan, élévation, etc. Ici, sur SketchUp, comme vous l'avez vu, on a une seule et même vue, donc on se sert en fait de ces repères colorés pour pouvoir dessiner. Donc ici, par exemple, je vais donner l'épaisseur à ma ligne, donc c'est une toute petite ligne, hop, je vais lui dire, hop, voilà, elle est beaucoup trop grosse. Je vais lui dire par exemple 2, il va me dire qu'il y a trop d'angles, mais c'est pas grave. Ah, quelque chose que je peux faire, c'est que par exemple ma ligne, je sais que si j'utilise une corde par exemple, elle sera jamais à angle droit comme ça. Donc je peux lui dessiner une petite courbe ici. Donc si je me mets au coin et au coin ici, là vous voyez, on a quelque chose qui est plus bleu. Et au moment où ça devient rose, si je clique dessus, hop, évidemment ça ne marche pas. Si je clique dessus, normalement ça est censé la faire disparaître. Mais. Les aléas du direct ne font qu'elles ne disparaissent pas. Normalement, ça est censé disparaître tout seul, mais on peut aussi faire l'effort de la supprimer. Je vais essayer de l'autre côté, voir si ça marche mieux. Oui ! Donc là, ça marche. Donc en fait, voilà, on n'a plus qu'à double-cliquer dessus. Et normalement, les coins de cette ligne, ça s'enlève. Donc là, on voit, bon, j'ai pas du tout fait les deux côtés pareil, mais c'est plus pour vous montrer l'exemple. Ce que je veux faire, c'est une corde qui ne soit pas du tout à angle droit. Et surtout, je vais pouvoir avoir mon petit cercle ici. Tac. Là, je sélectionne ma ligne et je vais réutiliser ce fameux outil. Décidément, c'est un tuto pour l'outil Follow Me, mais c'est un de mes préférés. Donc, Follow Me, je reclique sur ma ligne de tout à l'heure. Et là, j'ai ma ligne qui est tracée. Je vais pouvoir la sélectionner, faire attention à ce qu'elle touche bien mon aiguille. Et je vais la mettre à l'intérieur de mon tube de tout à l'heure. Voilà. Je vais peut-être m'arrêter là pour la partie fabrication. Je voulais juste vous montrer que voilà, c'était un logiciel qui était hyper pratique pour tout ce qui était concept. Là, vous avez pu vous en rendre compte, je dessine en même temps que je crée finalement. Je ne suis pas sur quelque chose de hyper précis, je ne suis pas dans cette phase-là. Mais imaginons que, voilà, je vous enlève ça. Imaginons qu'on en soit arrivé là, que j'ai fini ce tuto. Ce que je peux faire, c'est que donc là, cette vitrine, c'était le modèle fini pour, par exemple, les vitrines de Genève. Une fois que j'ai ça, je peux, par exemple, me mettre... donc là, vous avez différents types de caméras. Vous avez une vue perspective, vous avez une vue parallèle, qui est une vue qui est hyper pratique pour faire les plans. Je peux lancer dans Layout. Donc là, j'enregistre juste ce que j'ai fait. Je clique sur ce petit bouton-là, Layout. Ici, vous avez différentes templates. Nous, par exemple, à l'agence, on en a créé une, qui s'appelle la WN Template, avec des traits de coupe. Voilà, déjà, on a un petit cadre autour qui est hyper précis. Est-ce que je peux faire... Ah non, ça ne m'a pas importé mon projet. Je vais insert. Je vais devoir aller le chercher. Désolé. Vous allez voir tous mes dossiers qui sont très bien rangés. Masterclass open. Voilà, donc là j'ai mon image qui va s'afficher. Ah, je vais avoir déjà des questions déjà. Donc normalement on a un plan qui s'affiche, mais évidemment ça ne marche pas. Je vais retenter l'expérience. Hop, si je lance Layout. Que je me mets. Bon, et ça ne veut pas fonctionner. Bon, tant pis. Bon, normalement, on a l'image qui vient s'insérer. On a notre... Et là, je ne sais pas pourquoi il y a un bug, mais voilà, je n'ai pas trop le temps de vous montrer pourquoi on a ça. Mais bon, normalement, on a l'image qui s'affiche et on peut directement, avec les dimensions, insérer les dimensions et les mettre tout à la bonne échelle, mettre des petites annotations grâce à ça, et voilà, et sortir un plan hyper bien fait sur Layout. Donc, c'est très pratique. Voilà, et donc, une fois qu'on a fait cette phase-là de rendu sur SketchUp, on peut pousser un peu plus loin le visuel et utiliser un plugin qui s'appelle SketchUp et avoir des rendus qui sont photoréalistes comme ça pour expliquer un peu plus dans l'ensemble comment sont les matières et comment fonctionne en fait comment fonctionne la vitrine. Et là vous avez des exemples de la réalisation finale des vitrines installées dans les magasins. Tac, tac, avec des petits détails, voilà, comme je vous montrais le petit escalier avec l'écharpe qu'on a dessiné tout à l'heure. Ici, un détail du carreau, des carreaux qu'on a fait ensemble avec l'outil Component.
notre petite échelle, voilà, qui sera ici bien à l'échelle avec nos deux montants. Voilà. C'est plus pour vous montrer un peu réalisation finale. Là, on voit un peu l'aiguille qu'on a faite tout à l'heure. Et voilà. Voilà pour moi. Je ne sais pas si vous avez maintenant des questions sur ce que je vous ai présenté. Désolée pour le petit bug layout. Je referai un tuto sur comment utiliser layouts. Alors, c'est ici que je dois regarder et je vais vous donner. Alors, je vous écoute. Donc, je remonte dès le départ. Vous avez mis plein de gentils commentaires, c'est gentil. Ah, c'est vers le bas. Alors, c'est vers le bas. C'est incroyable. C'est possible de lire les questions à chaque fois. Ouais, alors je regarde. Alors, qu'est-ce de la mer trop beau sur nous. Je vois pas de questions, je vois juste que des. Il faut scroller vers le bas. Ouais, vers je scrolle plutôt. Ah, ouais. Voilà. Comment avez-vous réussi à obtenir l'extension Follow Me? Alors ça, je pense que c'est quelque chose qui est directement dans SketchUp. En tout cas, je n'ai pas installé. Mais si par contre, vous cherchez des extensions, vous avez... Alors, je ne sais pas s'il est possible de redonner l'image sur mon écran. Ouais, c'est bon. Ici, là, ce que je ne vais pas montrer, c'est que vous avez 3D Warehouse qui permet en fait de télécharger des images déjà faites. Si par exemple, vous voulez faire une chaise et que vous n'avez pas envie de vous embêter, ou si par exemple, vous n'avez pas envie de vous embêter à faire cette quille, vous cliquez sur 3D Warehouse et vous rentrez directement quille ou booling et souvent, il y a des objets qui sont déjà faits et gratuits. Sinon, ici, vous avez tous les extensions, Extension Warehouse. Et là, vous pouvez chercher toutes les choses que vous ne savez pas faire. Mais je crois que Follow Me, c'est quelque chose qui est directement intégré dans SketchUp. Combien de temps pour maîtriser le logiciel? Eh ben, très rapidement. C'est-à-dire que moi, mon premier entretien d'embauche, on m'a demandé si je savais utiliser SketchUp. J'ai dit oui, alors que pas du tout. Et j'avais une semaine pour l'apprendre et j'ai appris grâce au tuto sur YouTube. Et après, en pratiquant, voilà. Je sais que ben, du coup, Quentin qui travaille avec moi est un expert du logiciel et je pense qu'il est en train de se taper la tête contre un mur pour se dire mais pourquoi elle n'arrive pas à faire fonctionner les apps. Mais clairement, quand j'ai un bug, c'est à lui que je demande. Voilà, franchement, c'est un logiciel qui s'apprend, contrairement à SolidWorks, contrairement à Rhino, qui sont des logiciels plus techniques. SketchUp, c'est hyper facile et moi, c'est un logiciel que j'adore, surtout pour de l'éphémère comme ça, pour de la scénographie, c'est hyper bien. Vous avez parlé d'une bourse Leonardo, qu'est-ce que c'est? Alors c'est une bourse qui peut être obtenue quand on a un master. Alors je ne veux pas trop m'avancer, je ne sais pas si elle existe encore, en tout cas en 2013 elle existait. Et c'était une bourse que j'avais obtenue grâce à l'école Olivier de Serres qui permettait en fait à certains de leurs étudiants sur sélection d'obtenir cette bourse. Et en fait ça nous permet de partir 6 mois faire un stage à l'étranger, on choisit son pays et on est rémunéré pour le faire. Si j'ai bien répondu, mais c'est une sorte d'Erasmus en fait, mais pour les gens qui ont déjà un diplôme. Ok, ça marche. Le logiciel, vous l'avez sur quelle plateforme? C'est un logiciel qui télécharge gratuitement sur Google. Je crois que c'est Google d'ailleurs qui crée SketchUp. Y a une version, nous, on utilise la version pro parce qu'elle nous permet d'utiliser layout et plus de fonctionnalités. Mais on peut le télécharger, on le télécharge sur Google tout simplement. Comment insère-t-on le reste des objets, chaussures, sacs, etc.? Comment on l'insère dans la vitrine ou comment on insère l'image? Ce que je peux vous montrer là, si on peut faire un retour écran sur mon SketchUp. Donc, si je veux, par exemple, intégrer le sac dans SketchUp, je vais faire un rectangle qui est ici. Si par exemple, je l'ai intégré, donc je vais faire normalement New Texture. Hop, et là, je vais aller chercher mon image dans mes JPEG. Mais je peux aussi choisir, donc une fois que j'ai choisi dans mes JPEG, elle apparaît ici. Je sélectionne le sac. Et je vais tout simplement le mettre dans mon carré. Une fois que je l'ai mon carré, je clique droit, j'obtiens texture, position. Hop, je vais pouvoir en fait régler en fait l'échelle de mon sac. Modifier ça, voilà. Je double-clique, j'appuie sur Shift, je resélectionne l'intérieur. Donc là, je n'ai que les facettes, en tout cas les lignes extérieures sélectionnées.
et je vais clic droit. Non, je suis obligée de le faire avec le raccourci clavier, pardon, comme un E pour cacher. Donc là, hop, je groupe et j'ai mon sac qui est flottant sans les lignes à l'extérieur. Et sinon, pour les intégrer, bah, tout simplement, là, par exemple, vous les avez, ils sont à côté. Je les sélectionne avec Move. Je vais simplement les déplacer. Là, je le déplace sur ma bouée. Là, je vais prendre mes chaussures. Je vais les déplacer à l'intérieur de ma piscine, tout simplement, en fait. Comment on fait des ronds sur SketchUp? Tout simplement, là, si j'ai encore mon... logiciel. Donc là, je clique sur la petite flèche ici, et là, vous voyez, il y a différentes formes sur SketchUp. Je choisis rond. Comme je vous ai montré tout à l'heure, ici, on peut choisir le nombre de côtés qui vont s'afficher. Donc là, je vais rentrer par exemple 50 pour être sûr que mon rond il soit bien lisse, etc. Je vais choisir l'angle sur lequel j'ai envie de le dessiner. Si j'ai envie de le dessiner en plan, je vais avoir un cercle bleu qui va s'afficher là. Mais si je veux le dessiner par exemple en élévation, je vais plutôt avoir les lignes rouges. Donc là. Par exemple, je dessine un bleu, et là, je vais rentrer, là, si vous voyez en bas à droite, le rayon. Et donc, je vais rentrer, par exemple, 100 de rayon, entrée, et je vais avoir un cercle de 200 mm de diamètre. Le logiciel est bien payant à l'année, la version pro, oui. La version 2017 est gratuite, peut-être. Petite question, moi, je suis archi d'intérieur et pâtissière. Et je me suis déjà posé la question, pour faire de la scénographie à Toulouse, y a-t-il des formations dans le domaine, c'est payant? Il me semble qu'il y a MJM Toulouse. Oui, il y a MJM Toulouse. Donc voilà, vous pouvez aller sur le site internet de la MJM et demander aux formateurs directement des questions. J'avoue que je suis peut-être pas la personne la mieux placée pour parler de toutes les formations qui existent à l'école. Mais en tout cas, voilà, il faut savoir que MJM a différentes formations partout en France. Donc je vous conseille d'aller sur le site internet et de regarder. Est-il possible de créer les mises en scène de clips musicaux avec une formation de scénographie? Alors oui, tout à fait. En fait, avec une formation de scénographie, on peut être amené à travailler dans différents domaines, aussi bien le décor de théâtre, par exemple, mais aussi bien voilà, le décor de clips musicaux, ça peut être le décor de films, ça peut être en fait tout ce qui touche au décor éphémère. La scénographie, contrairement à l'architecture d'intérieur, ça va être des décors qui vont être voilà, sur le court terme. Donc tout à fait, des clips musicaux, bien sûr. Prenez-vous des stagiaires chez WM Paris? Oui, ça nous arrive. Ça nous arrive, voilà. Donc vous pouvez envoyer votre CV. Vous pouvez retrouver notre lien internet, ça s'appelle Studio WM Paris. Si vous regardez sur Google, vous allez tomber sur notre site et on a une adresse pour les stagiaires. Bonjour, je suis en déco intérieur à la MJM. Pensez-vous que la scénographie soit un plus pour mon futur métier? Est-ce qu'une bonne voie pour avoir de tels projets? Décoration intérieure, c'est déjà très bien. Tout dépend en fait. Si vous voulez vraiment faire de la scénographie de vitrine et de pop-up, comme je vous ai montré là dans mon portfolio, vaut mieux intégrer la formation visuel merchandising. Parce que là, on va vraiment travailler avec nos élèves typiquement sur des projets de vitrine et de pop-up. Mais avec une formation de décoration intérieure, vous allez pouvoir aussi travailler sur des projets éphémères. C'est juste que vous allez moins avoir cet aspect technique et toutes les cordes du métier. Disons que ça va être plus complet avec la formation visuel merchandising. Aussi, est-ce que le logiciel est assez intuitif? Complètement, complètement. Nous, je sais qu'à l'école, on a plutôt travaillé sur SolidWorks et Rhino, qui sont des logiciels un peu plus techniques. Alors, je pense que tous les ingénieurs vous diront que c'est beaucoup mieux de travailler là-dessus. Mais comme nous, on est plus sur une approche artistique et créative de l'architecture intérieure, je trouve que SketchUp, c'est très bien pour ça. Et ça permet de faire des choses qui sont très précises. On travaille uniquement avec ce logiciel. Et ce qui est très pratique aussi, c'est que du coup, dans notre métier, les fabricants, donc les agences de fabrication qu'on va utiliser pour produire les vitrines, travaillent également avec SketchUp. Donc des fois, on va juste leur envoyer le lien de notre 3D. Ils vont l'ouvrir sur place et pouvoir tourner autour de notre 3D et travailler directement avec ces éléments. La scénographie s'applique au retail uniquement? Non, pas du tout. Comme je dis tout à l'heure, ça peut être tous les domaines, aussi bien théâtre, cinéma, scénographie de vitrine. Voilà. Quel site ou chaîne YouTube recommandez-vous pour les tips utiles? Alors là, aucune idée. Vous allez sur YouTube et vous tapez tuto SketchUp ou vous vous inscrivez au masterclass MJM et il y aura peut-être un prof de SketchUp qui vous fera un meilleur tuto que le mien. Est-ce qu'on peut être formé comme designer automobile à la MJM? Alors j'en ai aucune idée. Allez voir sur un site internet et prenez rendez-vous avec un conseiller.
pour répondre à cette question. Pour le projet Shallop, vous êtes inspiré de l'univers de Miyazaki? Alors, pas du tout. Alors, c'est un très bel univers, ceci dit. En fait, moi, pour les inspirations, je n'ai pas vraiment de référence en particulier. Ça va être un peu tout, donc notamment les voyages, comme je vous disais au tout début de ma présentation. J'ai vécu à Londres, aussi à Montréal, à Milan, à La Réunion. J'ai voyagé en Amérique du Sud. Donc, en fait, tous ces voyages forment un petit peu le regard et la créativité. Et je sais qu'en tant que designer, on utilise beaucoup Pinterest. Donc, il y a une application qui permet d'avoir des recherches, des références en termes d'images, etc. Mais je trouve que ça tue un peu la créativité au bout d'un moment parce qu'on se retrouve tous avec les mêmes images. Donc, en fait, ce que j'encourage beaucoup à faire, enfin, ce que je demande à mes élèves, c'est de créer des dossiers. Et quand ils vont visiter des lieux, donc que ce soit des scénographies, théâtre, que ce soit des films, que ce soit au restaurant même, si c'est, par exemple la composition d'un plat les a intéressés parce qu'il y a des couleurs, parce qu'il y a des formes, des matières qui leur ont plu, je leur conseille de prendre des photos et de créer en fait des dossiers pour pouvoir en fait avoir des références. Par exemple, s'ils prennent des photos de choses rouges, ils font un dossier rouge et ils enregistrent tout ce qu'il y a de rouge dedans. Pareil avec, ça peut être n'importe quoi, matière plastique, ça peut être plante, ça peut être tout ce qu'ils veulent. Et une fois qu'ils ont un sujet qui tombe là-dessus, ils vont retourner dans ce dossier et voilà, ils vont avoir ces inspirations qui leur seront des inspirations propres et ils vont pouvoir parler d'eux-mêmes quand ils vont parler de leur sujet. Tandis que quand on va aller sur Pinterest, on va tous se retrouver en tant que designer à avoir les mêmes références et ça va être un peu plus... Voilà, un peu moins intéressant. Comment trouve-t-on les concours? Sont-ils payants? Non, ils ne sont pas payants. Je pense que... Alors, je ne sais plus, sur des sites internet comme Design, par exemple, il doit y avoir des offres de concours. Il y a le lieu du design, je crois, qui est sur son site internet, quand j'étais étudiante, qui diffusait pas mal de concours. Mais je pense que si vous tapez, par exemple, concours design étudiant sur Google, vous allez avoir toute une liste de concours intéressants. Et voilà. Quel serait votre projet de scénographie idéal? C'est assez difficile d'y répondre. Là, en ce moment, à l'agence, on est en train de dessiner 80 vitrines pour Hermès qui vont être dans toute la France. Et c'est déjà un projet de scénographie idéal parce qu'on est absolument libre sur le thème et ce qu'on doit faire. Du coup, là, pour le coup, c'est vraiment idéal. Ce qu'on essaye de faire, nous, avec notre agence, c'est de s'orienter de plus en plus vers des projets qui sont plastiques, enfin, dans le sens plus artistique. On aimerait bien aussi fabriquer des choses plus nous-mêmes. Là, on a d'ailleurs produit des vitrines, donc encore pour Hermès, qui sont en train d'être installées en ce moment pour Hermès Travel Retail, dans 5 villes d'Europe, où on les a fait nous-mêmes, donc dans notre atelier. Et c'était la première fois qu'on a eu l'occasion de faire ça. Et ça nous a beaucoup plu. Donc, je pense qu'on va maintenant plus aller vers des pratiques plastiques et artistiques de notre métier. SketchUp s'est adapté aussi pour les wedding designers, tout à fait, pour tout type de design. C'est aussi bien, par exemple, si tu as envie de refaire la déco de ton intérieur de ton appartement, c'est très bien pour ça. C'est bien pour tout. Est-ce que... Ouais, vous êtes trop fort chez WM. Voilà, bah, je pense que peut-être une dernière question et puis et on va pouvoir terminer ce live. Pour débuter dans la scénographie, quel niveau d'études faudrait-il ? Eh bien, là, par exemple, dans la section visual merchandising à MJM, vous avez 2 ans qui sont très qualitatifs. Voilà, moi, ce que je conseillerais, c'est évidemment, tout comme tout à l'heure, on a eu une question d'une personne qui était en déco, peut-être compléter la formation de déco avec 2 ans de visual merchandising. Voilà, je pense que, en fait, ce qui est pratique à l'école ici, c'est que vous avez plein de petites formations et vous pouvez, en fait, créer votre métier idéal en vous spécialisant, en fait, dans tel ou tel type de domaine. Moi, ce que je conseillerais, c'est d'avoir, par exemple, une formation qui soit plus archi d'intérieur, plus une spécialité visual merchandising, pourquoi pas, ou décoration. Allez, dernière question depuis. Non. Alors, la dernière question, c'est notre ancien stagiaire, donc je ne vais pas répondre à cette question. Mais en tout cas, voilà, merci pour d'avoir suivi ce live. C'était un plaisir de partager ces informations avec vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas d'aller sur le site de la MJM. Il y a plein de conseillers qui seront très contents de vous répondre sur les différentes formations proposées. Et je serai ravie de vous voir l'année prochaine en visual merchandising 2e année si vous choisissez d'intégrer l'école ou à WebStart pour les directeurs artistiques web. Voilà, en tout cas, c'était un plaisir et je vous dis à bientôt.